Yeah, bon. God is good all the time. God is good all the time. Maintenant, je bénis le Seigneur encore une fois aujourd'hui pour cette grâce, pour le privilège de me donner la vie encore une fois aujourd'hui, de venir partager sa parole. Amen. C'est toujours bon d'être dans la présence de Dieu. Faut jamais prendre ça en vain, même si tu n'es pas à l'église, mais même si tu es à la maison ou au travail, faut toujours rendre gloire à Dieu parce que c'est lui celui qui permet que tu puisses être en vie chaque jour. Amen. Donc ça, c'est un truc que nous devons le remercier chaque jour. Amen. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour et le Seigneur continue de faire des choses, grandes choses dans nos vies. Amen. Seigneur, je bénis ta parole. Je te remercie. M'avoir choisi il y a 2000 ans, aujourd'hui, je vais apporter ta parole à ton peuple, Seigneur. Je ne suis rien. Je suis de la terre, Seigneur. Et utilise-moi. C'est toi qui m'as fabriqué à ton image, Père. Parmi les paroles, mets ce qui est bon dans ma bouche afin que ton peuple puisse écouter. Je te remets tout, Seigneur. Ces minutes, secondes, je présente ta présence, Seigneur. Que ton nom seul soit glorifié. Que je m'efface, que toi seul tu t'élèves parmi nous ce matin encore une fois. Que soit toute la gloire. Je bénis, Papa, ton peuple. Je te remercie pour leur cœur que tu disposes afin qu'ils puissent vraiment que ce message puisse, Papa Dieu, puisse en demeurer. Afin que nous tous nous puissions continuer à grandir et à marcher en toi dans la vérité. Et à comprendre par le sacrifice que tu as fait pour nous. Que ton nom soit béni. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Qui est content ce matin? Qui est content ce matin? Amen. C'est bien d'être content. Ça, c'est bien de rire. On dit, bon, les docteurs disent que ça guérit ou ça évite d'être malade. Amen. Aujourd'hui, c'est juste un petit message pour nous tous. C'est un truc que le Seigneur m'a révélé. Je peux dire, il m'a prêté mon attention dessus. Je lisais ça tous les jours. Je lisais ça, nous tous, on lisait ce passage. Mais il y a un truc qui m'a. Comment je pourrais dire? Qui a attiré mon attention. Et je n'ai, bon, ça y est, je ne croyais pas vraiment que c'était ça que le Seigneur voulait nous montrer. Amen. J'aime quand Jésus-Christ. Quand il prêche, quand il explique la parole de Dieu, quand il parle à ses disciples, même quand il parle au peuple, il utilise toujours les paraboles. Et j'ai compris une chose que si le Seigneur essaie de nous montrer la réalité des choses, personne ne pourra comprendre, avoir une compréhension même approfondie de la chose que je vais dire. Donc souvent, Jésus-Christ essaie de prendre les paraboles afin qu'on ne puisse pas. Parce que notre intelligence a été corrompue après le péché. Donc, il y a des trucs qu'on ne peut pas comprendre. Donc, il faut amener ça à un bon niveau bas afin que l'homme que nous sommes puisse comprendre ce qu'il veut dire. Même souvent, c'est difficile de comprendre même. Alléluia. Et j'aime cela parce que la parole de Dieu regorge de beaucoup de secrets. Beaucoup de secrets. Il révèle seulement à ceux vraiment qui le cherchent. Tu peux lire la parole de Dieu du matin au soir, mais si vraiment tu ne le cherches pas, tu ne pourras jamais comprendre les secrets qui sont cachés dedans. Parce que tout le monde prie la parole de Dieu, un païen prie la parole de Dieu. Mais on dit, c'est ceux qui le cherchent, c'est quand tu le cherches, c'est là qu'il te montre ce qui est caché. C'est comme comment je pourrais dire, ceux qui cherchent les diamants. Moi aussi, je peux dire que j'ai cherché le diamant, mais je peux seulement aller la creuser et trouver derrière mon backyard, derrière ma maison. Mais qui sait que derrière ma maison, il y a un trésor? Mais ceux qui cherchent, ils savent, ils ont au moins une connaissance du terrain, peut dire que non. Si on va dire ce côté-là, je suis sûr qu'on va trouver quelque chose. Amen. Donc j'aime quand Jésus-Christ, souvent, il utilise les paraboles dans la parole de Dieu pour nous expliquer ce qui va arriver ou ce qu'il planifie pour nous. Amen. Aujourd'hui, nous allons ouvrir notre Bible. C'est une histoire qui est vraiment qui est concentrée sur Jésus lui-même, malgré qu'il était dans la souffrance. Malgré tout ça, il essaie toujours de nous donner une leçon. Alléluia. Nous allons ouvrir notre Bible dans Matthieu 27. Et nous allons prendre à partir du verset
Je peux dire 11. Amen. J'ai lu la parole de Dieu. Matthieu 27, verset 11 jusqu'au verset 23. Jésus-Christ comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Je lui répondis. Tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Vous avez entendu? À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas. Dans le relire 20, les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, il leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferais-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Amen. L'histoire me fait un peu rire et ça m'attriste en même temps parce que dans ce petit passage, il y a beaucoup de choses que le Seigneur vraiment m'a révélées, m'a parlé. Dans le verset 27, d'abord, on a dit, comme ils étaient assemblés, Pilate leur demanda, lequel de vous voulez que je vous relâche, Barabbas ou Jésus-Christ, qu'on appelle Christ. Nous tous, nous avons Barabbas. Qui connaît Barabbas? Qui connaît Barabbas? Le grand voleur. Nous tous, nous connaissons Barabbas, non? Nous avons au moins une idée de Barabbas. Amen. Verset 17, on a dit, lequel voulez-vous, je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car ils savaient que ce n'était pas en vie qu'ils avaient livré Jésus. Barabbas, un voleur, qui apparaît dans la parole de Dieu. Que Dieu parle, que Dieu a insisté qu'on puisse mentionner son nom dans le Nouveau Testament. Un criminel. Alléluia. Il dit, mais ah, Seigneur, je sais que oui, bon, on doit relater l'histoire de Jésus pour comprendre exactement ce qu'il vraiment il a fait pour nous. Amen. Mais Barabbas, mais pourquoi tu l'as mis là? Parce qu'après ça, on sait plus exactement qu'est-ce qu'il est devenu, ou s'il a changé, ou s'il a continué à voler, ou s'il a continué à faire commettre des meurtres, ou s'il a continué à tuer, on ne sait pas. Mais Dieu, je peux dire quoi, 2-3 minutes, c'est très important dans le témoignage dans la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le verset 17, je répète encore, ils disent, comment ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui dit, il n'y a rien entre toi et ce juste. Même la femme de Pilate savait que Jésus-Christ était bon. Il n'avait pas de faux. Alléluia. Mais la Bible dit que les sacrificateurs et les anciens encouragèrent la foule de demander Barabbas. Vous êtes chrétien. On dit qu'on est sur le corps du Christ. Okay? On dit que voler, c'est quoi? Voler, c'est quoi? Tuer, c'est un péché. Tout ce qui est contraire à la loi de Dieu, c'est un péché. Et les sacrificateurs, les anciens, ils connaissent la loi de Dieu. La loi de Moïse, je peux dire. Ah bon?
Donc, ils avaient tout ça en eux, dans leur tête. Donc, en présentant Jésus-Christ et Barabbas devant eux, ils savaient déjà ce que Barabbas avait fait, pourquoi l'avait emprisonné. Parce qu'en ce temps-là, quand on t'amène un emprisonné, ils ont au moins une connaissance de ce que cette personne a fait. Comme Jésus-Christ, comme la femme de Pilate a dit qu'il n'y a rien entre toi et c'est juste. Donc, elle a eu à apprendre, tu vois, à connaître pourquoi, qui est cet homme, Jésus-Christ. Tu vois, donc, si elle a eu à faire la différence entre Barabbas et Jésus-Christ, combien de fois encore les sacrificateurs et les anciens? Amen. Mais la Bible nous dit qu'eux-mêmes, ils incitaient la foule à demander Barabbas à la place de Jésus. Alléluia. J'ai dit, mais Seigneur, mais ça, sacrificateur, c'est quoi? C'est nous, c'est peut-être pasteur, tout serviteur de l'Éternel. Amen. Que ce soit enfant de Dieu, que ce n'est pas seulement le pasteur, c'est tout serviteur enfant de Dieu. Alléluia. Mais je dis, ils incitaient la foule à demander Barabbas. Est-ce que ça ne va pas là? Comment le roi des rois, le sauveur des sauveurs. Eux-mêmes, dans leur tête, ils savent que Jésus-Christ est le roi des rois. Ils viennent demander Barabbas. Alléluia. Allons dans le livre, on va revenir rapidement. Alléluia. C'est un petit message. Dans le livre, ouvrez Jean 10. Jean 10, 18. Je lis rapidement la parole de Dieu. Personne ne me ôte. Personne ne me l'ôte. Bon, je peux commencer à partir du verset 17, même si on veut. Jean 10, à partir du verset. On peut commencer à partir du verset 17 pour mieux comprendre ce que Jésus-Christ est en train de dire ici. Jean 10, je commence à partir du 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et je l'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Comprenez bien ce que je dis, la parole de Dieu. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alors, quand nous repartons dans Matthieu 27, on a dit que c'était les sacrificateurs, les anciens, qui incitaient la foule afin qu'ils puissent demander Barabbas à la place de Jésus-Christ. Quand nous partons, toujours j'aime vraiment chercher à connaître chaque mot. Quand on dit un criminel, c'est quoi? Alléluia. Un criminel, c'est quoi? Comment on peut définir un criminel? La définition d'un criminel. Comment vous comprenez? Comment on peut comprendre? On dit, tu es un criminel. C'est quelqu'un qui cause des... Qui tue les gens qui causent des crimes. Notre définition par rapport à ça? Quelqu'un qui fait du mal. Alléluia. Qui brise la loi. Amen. Amen. Tout ça, là, c'est la définition d'un criminel. Donc, c'est quelqu'un qui est contraire à la loi sociale. Tout ce qui est sociable, cette personne est contre. Tu y es volé. Tout ce qui est contraire à la loi sociale, il est contre. Donc, j'ai dit, mais Barabbas, donc s'il est contre, et les pharisiens et les anciens demandent qu'on puisse le relâcher. Mais quel message ils veulent véhiculer par là, alors? Alors, c'est là que quand j'ai lu Jean 10, j'ai compris que Jésus-Christ a dit, j'ai reçu l'ordre, je donne ma vie moi-même. Alléluia. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu ou en tant qu'être humain, Barabbas, c'est nous. On est Barabbas. Pourquoi je dis Barabbas? C'est que à chaque étape, toujours, on viole la loi de Dieu. On brise la loi. On fait des trucs contraires à la parole de Dieu. Alléluia. Barabbas n'est pas seulement l'homme qui a tué, l'homme qui a volé, mais Dieu l'a mis là, c'est pour comprendre le sacrifice que Jésus-Christ va faire. Parce qu'un criminel qui est contre tout ce qui est sociable, ça veut dire que la personne qui est contre la volonté de Dieu, la personne qui est loin même de la voie de Dieu, c'est que, comment je pourrais dire, quand on dit, celui qui a tué, c'est que, par exemple, celui qui est vraiment arrivé au niveau, c'est que, pourquoi, bon, on pouvait prendre, par exemple, un celui qui a volé peut-être...
l'oiseau quelque chose. Mais si on ne prépare pas, c'est qu'on dit criminel, c'est que, comme il a dit qu'il a tué, c'est qu'on montre comment je pourrais dire, c'est que le top, c'est que le plafond du crime. Voler, ça peut être un truc, mais quand tu tues, ça, c'est pas, quand tu ôtes la vie à une personne, ça, c'est le plafond. Parce que ôter la vie à quelqu'un, ça c'est même entre nous, ça, tu pourras, si tu voles quelque chose sur moi, je peux te pardonner. Mais tuer quelqu'un que, par exemple, que j'aime tant, c'est qu'il y aura toujours cette foi ou par exemple, cette assurance ou par exemple, cette confiance que j'avais pour toi, c'est que ça va briser, l'amour que j'avais pour toi, ça va briser. Alléluia. Donc, si Dieu a choisi Barabbas, c'est pour me faire comprendre que tout ce que l'être humain, tout ce que le monde entier est, se trouve en Barabbas. Parce qu'on était tous criminels. Jésus-Christ voulait nous faire comprendre que son sacrifice à la croix n'est pas seulement pour dire, vous voulez, c'est que même celui qui a un péché, qui est, comment on dit, le péché au parfum, un péché qui est impardonnable, Jésus-Christ peut le pardonner. Il a laissé partir Barabbas, pourquoi? C'est parce que lui-même, il voulait nous faire comprendre que la vie de Barabbas, c'est nous. La vie de ce que Barabbas faisait, c'est nous. Quand on dit, on mettait Jésus-Christ ici, on mettait Barabbas ici, c'est pour dire que tout ce que tu as fait, je vais te remplacer. Et sur quoi encore? Jésus-Christ pouvait rester un bon prison pour jusqu'à l'année prochaine, pour qu'on puisse aussi faire la même chose avec lui, avec un prisonnier. Mais on a dit que, quand on dit Barabbas, on posait la question, vous voulez que je fasse quoi avec lui encore? Ils ont dit, quoi? De le crucifier. Normalement, si on relâche un, on ramène un en prison pour attendre le verdict de l'année prochaine pour l'autre fête. Donc, quand tu lis Jean 10, 18, Jésus-Christ dit, je donne ma vie. J'ai reçu l'ordre de mon Père. C'est pour que tout ce que Dieu avait planifié pour nous sauver se trouvait en Barabbas. Si je te crois que ton péché est commun, que ton péché est pardonnable, que ton péché, que Jésus-Christ ne pourrait même pas te pardonner, Jésus-Christ, Dieu ne pourra jamais te récupérer, tu te trompes. Même Barabbas, parce que Jésus-Christ avait le pouvoir, quand on dit qu'il avait le pouvoir de transformer, il pouvait transformer ce qu'il a dans la parole, il pouvait changer cela. Mais on me dit que les sacrificateurs et les anciens incitèrent la foule. Et après, Jésus-Christ disait quoi? Dieu pardonne les cas, ne savent pas ce qu'ils font. Donc, à un moment donné, Dieu voulait nous montrer aussi à travers ce truc que le seul a le pouvoir de transformer et de changer et de sauver qui il veut. Alléluia. Même si ton péché est noir, comment Jésus-Christ peut te transformer, peut te changer. Rien n'est impossible. Mais quand je regarde maintenant la vie des pharisiens, des anciens, je dis, Seigneur, donc tu les as utilisés alors. Ouais, souvent, quand j'ai la parole de Dieu, moi je pose, je dis, mais Seigneur, mais comment tu as mis tes serviteurs dedans qui sont aussi partis de ça là? Bon, comment, ça y est, celui qui croit la parole de Dieu, quand il va lire ça, il va dire, mais les anciens, ils sont les parents qui connaissent la parole de Dieu. Comment ils peuvent inciter encore la foule? Alléluia. Ça. Ouais, vas-y, papa. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule à demander Barabbas. Persuadèrent à demander Barabbas. Et quand je suis arrivé à ce niveau, souvent on livre nos frères et sœurs au diable.
on se dit enfant de Dieu, on se dit serviteur de Dieu. Mais souvent, on livre nos frères et sœurs au diable. On dit les anciens, les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs. Que tu es enfant de Dieu, tu es principal sacrificateur, que tu es un ancien, que tu es, c'est pas seulement le titre, mais toute personne qui accepte Jésus-Christ, c'est un Jésus-Christ. C'est de ce qu'on parle. Inciter. Tu dis tu loues le Seigneur, mais tu incites. Tu dis tu loues le Seigneur, mais tu calomnies. Tu dis tu loues le Seigneur, mais c'est toi qui livres ton propre frère. Jésus-Christ a voulu montrer à travers le comportement que aussi, quand tu te dis enfant de Dieu, quand je dis serviteur de Dieu, il faut faire très attention. Parce que le sang de ton frère, c'est pas seulement le tuer, seulement le tuer. Non, ça c'est le tuer aussi. Tu sais, la femme de Pilate dit qu'il n'y a rien, qu'il ne soit rien entre toi et ce juste. Donc, elle-même qui est païenne, elle prive son mari qui est païen de faire attention. Donc, c'est, comprenez ça. C'est, elle-même qui est païenne, hein, son mari même qui est païen, qui n'avait même pas la connaissance de la parole de Dieu, elle dit à son mari, mon mari, je sais que tu es le roi, je sais que c'est toi qui gouvernes ce pays, mais cette décision que tu vas prendre là, il faut te rassurer que ta main soit lavée. Que quand celui qui a, bon, comment il croit à Dieu aussi, que le Dieu suprême qui va juger un jour, que ton nom ne soit pas figuré sur la liste des gens qui l'ont condamné. Un païen qui donne conseil comme ça. Alléluia. Voilà pourquoi. Et puis elle a dit que parce que j'ai nettoyé des troubles de mensonge. Donc c'est que souvent nous-mêmes, tellement on ne croit arriver, on ne reçoit rien de Dieu. Dieu, maintenant, se montre à un païen un truc pour faire comprendre à son propre ami qui dit, ah, celui-là, il faut faire très attention. Dans la vie, souvent, c'est qu'on se rend compte que ce sont les chrétiens qui font plus de mal que ceux qui sont dans le monde. C'est livrer ton frère. C'est que tu le crois. C'est que le problème, c'est que les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, ils connaissaient Jésus-Christ. C'est qu'ils, bon, toi, quand il était né, ils savaient comment, même tout ce que Jésus-Christ faisait, et c'est quelque part, on est, ils savent que c'est lui. Mais comme le pasteur avait dit, tellement la jalousie, c'est que tellement la haine commence à monter. Donc, pour ne pas qu'ils puissent venir prendre leur place. Parce que, on se tombe, quand tu es principal sacrificateur, mais tu as des privilèges. C'est comme si tu es un premier ministre, c'est comme si, comme chez nous, dans un autre gouvernement, quand tu es un ministre, quand tu arrives quelque part, même si c'est serré comment là, on dit, ah, le ministre arrive. Que tu veux ou pas, tu vas te dégager. C'est pour ça qu'on dit en Afrique, ah, quand tu es, c'est difficile de quitter un poste parce que tu as tellement goûté que c'est bon, tu ne veux pas le libérer. Amen. Donc, eux aussi, tellement le privilège qu'ils avaient, ils pouvaient aller chez le roi. C'est qu'ils pouvaient avoir certaines décisions que le roi pouvait exercer. Amen. Donc, quand ils voyaient cela, ils disaient, ah, mais le gars là, s'il continue, là, le problème est que si on le laisse rester en prison, là-bas aussi, il peut faire des choses encore. Parce qu'ils avaient cette connaissance que partout où on va le mettre, il y aura transformation. Parce qu'ils ont voulu le tuer, il a quitté de ville en ville. Dans chaque ville que Jésus-Christ partait, il y avait des guérisons. C'est que les gens dans leur vie changeaient. C'est qu'il y avait, c'est que partout, c'est que, oh Seigneur, tu es bon. C'est ça, on dit un bon témoignage. Partout où tu passes, derrière toi, il doit y avoir un changement. Partout où tu passes, il doit y avoir un changement. Donc, quand ils voient que Jésus-Christ passait de ville en ville, après lui, il pose des questions. Il envoie même des mercenaires pour savoir. Ok, bon, il est parti à Gettysburg. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il a dit, ah. On dit, principal sacrificateur. Il a bougé le coin là-bas. Là. Encore, les gens sont vraiment, ils ont changé leur vie. Ils ont commencé à maintenant voir tous les idoles qu'ils avaient dans leur maison. Il est parti à Diamantan, même chose. Il est parti à Frédéric, même chose. Donc c'est qu'ils étudiaient ces itinéraires. Ils ont vu que non, mais le gars là, s'il reste en vie, mais eux-mêmes, leur place est en jeu là. Donc même si on les laissait aller en prison, ils savaient que ce qu'il a fait pour Daniel, Dieu peut faire aussi pour lui. Donc, c'est qu'ils avaient cette connaissance un peu que Dieu pouvait aussi travailler Jésus-Christ même dans la prison. Donc la seule chose à faire,
c'est quoi? De lui ôter la vie. Mais ils ont oublié que lui-même, il a dit, amen. Alléluia. Barabbas. Dieu voulait nous montrer Barabbas que son sacrifice à la croix, c'était pour tout le monde. Pour l'humanité. Même si tu as vendu ton frère dans le passé, tu as vendu ta soeur, il peut toujours te le pardonner. Parce que quand Jésus-Christ était à la croix, Jésus-Christ disait que Père, pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'à un moment donné, quand tu es tellement envieux, la haine commence à te gagner, tu deviens, tes yeux, tu deviens aveugle. Il y a des trucs que tu ne pourras même plus comprendre. Des trucs simples que tu ne pourras plus comprendre. Et pourtant, attends, quelqu'un qui est boiteux, quelqu'un qui n'a pas vu depuis son enfance, quelqu'un vient prier pour lui et il retrouve la vie, toi tu te fâches. Non, attends, tu dis que tu es enfant de Dieu. Quelqu'un, un autre pasteur vient prier pour la personne, retrouve la vie. Toi maintenant, toi qui es homme de Dieu, serviteur de Dieu, toi je te fâche. Non. Alléluia. Barabbas. C'est pour Jésus que je voulais nous montrer qu'à travers Barabbas, nous tous, nous méritons d'avoir le pardon. Même si tu as fait des trucs, mais Dieu peut toujours te pardonner. Comme il a dit, c'est lui qui peut ôter la vie, il le donne à qui? Il peut la reprendre. Il pouvait reprendre sa vie, il pouvait arrêter Pilate sur le champ. Il pouvait arrêter le sacrificateur sur le champ. S'il a fait tomber un sacrificateur, ce n'est pas Pilate ou les sacrificateurs qui peuvent faire tomber ce jour-là. Mais s'il a accepté, c'est parce que l'ordre qu'il a reçu, il sait qu'il va récupérer cette vie-là. Alléluia. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, compare ta vie, compare toi. C'est que mets-toi à la place de Barabbas et dis, Seigneur, vraiment, je sais que j'ai des trucs que je continue toujours à faire qui ne sont pas dignes de toi. Je suis comme les sacrificateurs, je suis comme les anciens, souvent qui incitent même. Mais je demande pardon. Car je ne savais pas ce que je faisais. Je ne savais pas ce qui m'emportait. J'étais voilé, j'étais orgueilleux, j'étais envieux. Mais je demande pardon ce matin. Car quand Barabbas s'était libéré, c'est le pardon. Ce n'est pas que la foule, non, c'est pas ça, c'est le pardon. C'est le pardon. Et s'il a accepté que Barabbas soit libéré, c'est que Barabbas soit. Pardon Barabbas, je dis, ne va plus faire ce que tu as fait. Parce qu'après, on ne sait pas s'il a changé sa vie. J'espère qu'il a pu changer sa vie. Allez, amen. Parce que si Dieu se révélait à la femme de Pilate, il peut se révéler à Barabbas aussi. C'est pour te dire que si Dieu te dit t'as pardonné, quand tu t'en vas, faut avoir cette foi-là qui t'a pardonné. S'il a dit que vraiment, aujourd'hui, ma fille, mon frère, ne pense plus à cela. Tu es libéré. Crois que tu es libéré. Parce que si tu dis que tu es libéré, de Barabbas, mais tu te crois encore en prison, mais à la fin de la journée, c'est pas ce qu'il a fait, c'est en vain. Il a dit, et quand la foule a dit, quand Barabbas quittait, il était libre. Il n'est plus la sentence de Pilate. C'est parce que c'est Dieu a approuvé cela, c'est pour ça que Barabbas était libéré. La même chose, quand Dieu approuve que tu es libéré, que tu es pardonné, faut accepter et continuer la vie que le Seigneur, cette nouvelle chance qu'il t'a donnée. Parce que c'est une nouvelle chance qu'il t'a donnée. Amen. Nous devons vraiment, 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 vraiment comprendre cela. Comprendre cela. Et vivre notre vie par rapport à cela. C'est que souvent nous négligeons tellement ce sacrifice. C'est tellement ça. Nous négligeons cela. Alléluia.
dans le livre de Ésaïe, Ésaïe 53, verset 5. Pour finir, Ésaïe 53, verset 5. Je lis la parole de Dieu. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Tout accepté. A tout accepté. Essaie de visionner un peu Jésus-Christ en train d'être flagellé, en train d'être brisé. Je remercie le frère Mel Gibson qui a fait ce film, La Passion de Christ. Je regardais d'autres films de Jésus-Christ avant, mais ce film vraiment m'a amené à comprendre en profondeur la souffrance intense de Jésus-Christ. C'est qu'en ce temps, il n'y avait pas comme ça, de règles, quoi, de tout de l'ONU ou droit de l'homme, je ne sais pas quoi. Il n'y avait pas ça. Que tu voulons, quand on te dit qu'on te traite comme un criminel, donc tout ce qu'ils peuvent faire, ils vont le faire. Et de ce quoi encore, on dit les sacrificateurs incitant, ça veut dire qu'ils ont incité même les gardes même à le frapper même normalement. Donc imagine juste comment il a traversé. Dans ce film, vraiment m'a vraiment amené à comprendre que le sacrifice qu'il a fait, ce n'est pas en vain. Alléluia. Que si nous nous croyons arrivés, non, on doit se comparer toujours à Barabbas. Je dis, Seigneur, je suis comme Barabbas. Je suis comme Barabbas. Car je suis un criminel aussi. Car je suis un criminel aussi. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur nous donne la force et la grâce de réaliser que c'est lui seul qui a le pouvoir de nous sauver. C'est lui seul qui a le pouvoir de nous relever. C'est lui qui a le pouvoir de nous laver de tout péché. Je dis de tout péché. Amen. Que son nom soit béni. Béni. Bon, vous mettez en prière prier le Seigneur. Éternel Dieu, trois fois saint, Père, mon âme te bénit ce matin. Mon âme te bénit ce matin, Seigneur. Car encore une fois, ce matin, tu viens de nous parler que ton amour est inconditionnel. Ton amour est inconditionnel. Nous voici devant toi ce matin. Père, nous sommes comme Barabbas, nous sommes comme des principes sacrificateurs, nous sommes comme des anciens, nous sommes comme la foule, papa. Mais je vais te remercier pour ton amour inconditionnel pour nous. Car c'est parce que tu as accepté. C'est pourquoi nous sommes en vie aujourd'hui. Tu n'étais pas obligé, mais tu as accepté. Donner ta vie pour moi. Je suis comme Barabbas, un criminel qui t'avait rejeté, qui t'avait maltraité, qui t'avait accusé de tout, Seigneur. Là, je dis, Seigneur, si je regarde mon frère, c'est toi que je regarde, car c'est toi, tu l'as fait à ton image, Seigneur. Ce matin, encore une fois, je te remercie pour ton amour que tu as envers moi, pour me dire que reviens à la maison. Je t'aime. Malgré tout ce que tu as fait, comme péché, je t'aime. Et je te bénis, Père, pour nos vies qui sont cachées, encore une fois, dans ton sacrifice à la croix.
Car sans ce sacrifice, Seigneur, nous ne sommes rien. Sans ce sacrifice à la croix, nous ne sommes rien, Seigneur. Je donne tout ce que j'ai. Tout ce qui me reste comme force, je te donne, Père. J'ai compris que ma vie n'est rien. Je ne suis rien sans toi. Ma vie n'est que perdition. Merci pour ton esprit qui ne cesse de nous rappeler afin que nous puissions toujours revenir à toi qui nous a tant aimés parce que tu nous as sauvés. Que ton nom soit béni. Nous avons prié. Amen. Alléluia.